Hey, yep tout le monde et bienvenue sur du Feed the Turtle en compagnie d'EP. Coucou. Ben aujourd'hui on va... Ok. Aujourd'hui on va faire un petit coup de... Ok, je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis au-dessus, en dessous. Alors ça charge un peu, hein, évidemment. Aujourd'hui on va faire un petit peu attaquer les abeilles. D'accord, il y a une vache là alors qu'elle était là. Naturellement. Du coup, aujourd'hui on va faire un petit peu les vaches, non pas les vaches, les abeilles. Salut ma grande, ça boum. Alors, j'ai quelques abeilles qui sont mortes, d'où le truc que j'ai enlevé là, l'Antarctic Gate. L'Antarctic Gate que j'ai juste enlevé, c'est simplement pour me l'arrêter, c'est simplement pour dire que bah j'ai plus de reines dedans. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'en rajoute. Mais je ne sais pas comment faire temporairement en accoupler une nouvelle. Je reviens. Hey re, excusez-moi, donc j'ai une petite intrusion temporaire dans la chambre, voyez-vous. Alors, nous étions aux abeilles. Alors j'ai trouvé que celle-ci... Bon, évidemment, je l'ai pas analysé, faute de... Voilà, bi-analyseur. Alors, je vais juste en prendre une, hop. Ça, c'est juste un drone, hein. Ces drones-là, voilà, même en abeille, une fois qu'elle est en reine actuelle, vie classique lente, donc shorter, speed lente, pollinisation lente aussi. Donc c'est quelque chose qui est très lent, c'est pas ultra rapide. Qui a besoin de fleurs, des fleurs standards de vanilla. Une fois en queen, en reine, elle donne 3 drones supplémentaires à chaque fois qu'elle meurt. Donc vous avez un surplus de 2. 2 drones à chaque fois. Et sa zone au niveau des fleurs, la pollinisation pour avoir des fleurs, c'est du 9 par 6 par 9. Donc c'est du 9 par 9 par 6 de hauteur. Voilà. Pour ça. Et les effets, aucun. Niveau 2, climat hot, une fois active et inactive aussi, aride, aride, ça, dans ce coin-là, il n'y a pas de souci. Elle ne travaille que de jour, pas de nuit, elle aime pas les caves, et elle travaille quand il pleut. Voilà. Et ça, ça veut dire ce qu'elle produit, possibilité possible de production, c'est des... comment ? Oh, je ne sais plus le nom. Ah merde, je les ai analysés, donc il faut que j'analyse tout pour éviter le problème. Ah, voilà. Je ne sais plus quoi en fait. C'est quoi? Voilà, des combes, voilà. C'est avec des combes, c'est elle produit des combes. Et j'ai eu ceci, donc ceci c'est une métamorphose entre une mutation qu'il y a entre et Forest et des je ne sais plus quoi d'ailleurs en parlant de ça. Non, Industrios. D'accord, c'est une diligente. D'accord, j'ai une diligente. Oh. D'accord, je viens d'apprendre que j'ai une diligente. Alors ça je les ai. Ça c'est sûr que je les ai. Mais une diligente. Ah ouais, d'accord, c'est une common et une cultivate. Ok. Et une diligente que je remets avec une cultivate, j'ai 8% d'en avoir une comme ça. Ah. Intéressant, voyez-vous. Glowin. Glowin. D'accord, elle fait les mêmes choses que les autres. Ok, donc les industriels, j'en ai un peu plus maintenant, puisque je les ai accouplés avec d'autres abeilles. Donc au fur et à mesure, bah du coup, j'ai plus de... comment ? J'en ai eu un peu plus. Donc ici, toujours plein, plein avec sans trop de graines. Mais ça, ça viendra. Ici, bah je n'ai pas de... Voilà, inventaire plein. Oui, bah oui. Alors j'ai une common. Alors j'ai des combes. Des drones. Elle m'a pas rejeté d'abeilles parce que j'ai eu le slot plein, donc à mon avis elle s'est lootée pendant ce temps que j'étais absent du serve. Et pour ça il faut que je refasse des Antarctic Gate, donc on va le faire juste après.
Pour l'instant, bah, y en a encore. En fait, il y en a qui peuvent en avoir de plus. Les cultivate, je. Ah, des nobles. Il me faut une common. Est-ce que j'ai une common? Ouais, j'ai que des common, mais que des drones. Et moi, je voudrais bien une common officielle, une vraie. Une princesse. Non, je les ai pas. Peut-être que j'en ai pas encore des common princesses. C'est assez compliqué d'en avoir quand même. Celle j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai qu'une. Ok. Lui je vais aller en refaire. Hop. Bon, il y en a certaines qui sont pas encore automatiques. Ah. Là j'ai une common. Du coup, ce que je peux faire, c'est de la prendre et te la foutre avec. Voilà. Et par-dessus, je lui rajoute des frames. Les frames, ça me permet justement qu'elle puisse donner plus de choses, par exemple plus de drones, ce genre de choses. Bon, là il pleut parce que il pleut donc elle ne fleurisse pas, mais va en donner plus tard. Alors, toute la rangée là, j'en ai pas. Ici, elle travaille pas parce qu'elle elle, il pleut et puis il fait nuit donc elle travaille pas. Salut les cousines. Et ces abeilles là. Et tropical, ça se trouve dans les jungles. Alors, j'en ai pas retrouvé encore. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'en ai pas retrouvé. Mais ça me permettrait de, justement de pouvoir avoir l'armure qui me permet de contre les piqûres de moustiques. De moustiques, oui, bien sûr. Les piqûres d'abeilles. Parce que celle-ci, elle donne. Oui, vas-y, aspire mon niveau. Ceci, elle. Elle donne des fils, comme ça, du propolis. Et j'en ai besoin pour faire justement l'armure. L'armure me protège des piqûres éventuelles de ah, d'abeilles. Donc c'est pour ça que je mangerai. Alors ici, je vais vous faire exprès. Je vais rester juste à côté en fait. Ah, j'en ai peut-être d'autres. Non, c'est toujours des industriels. Mais j'ai des drones et des machins. Ok. 1, 2, 3. Pour qu'elle m'en donne plus. Ah, voilà. Là j'ai été piqué, par contre eux ils sont pas piqués, mais moi si. J'ai 45, 40 secondes de poison, donc au fur et à mesure j'ai les cœurs qui descendent. Et ici les machines drones, c'est celles qu'on trouve dans les marais. Grâce à ça on a des combes, pas celles-là, on a les combes. Ceci, mais ça produit juste du honey et du. Je ne sais plus l'autre nom en fait. Ah, arrête de me remettre au sol. Voilà, le poison des fois aussi c'est un peu con, c'est que si vous voulez voler, notamment les comment les comment les abeilles du Nether, il y a un petit problème, c'est si vous faites piquer avec poisson plus wither, vous risquez d'avoir mal si vous survolez une zone de lave, si vous êtes vous risquerez de plonger dedans. Voilà, elle peut en ressortir et de cramer juste au-dessus. Donc ça pourrait être un peu con en fait. Alors, j'ai prévu de faire des gates. Et non Bill Gates. Ensuite, iron. 16 000, je pense que j'en ai assez. Me faut ça, me faut ça. Under. Je vais voir ce qu'il me faut pour les gates. Parce que. Les gates, iron, non. Les diamants, non. Les undershield gates. Under iron, gate, et gate, c'est de la redstone. Ok. Donc ça, plus ça. Ouais, bah normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pas chez moi pour les faire, je vais aller chez le turtle. Parce que lui, il a une plus grosse production énergétique. Hop, Turtle Ravencorp. Bonjour! Alors, sa petite base, elle est là. Tuc. Voilà. Je pense qu'ici, il n'y a aucun problème. Ah, c'est juste des pipes. Du coup, je vais mettre tout ça et tout ça. Voilà. Alors, je vais faire les pulsations chipset là. Donc c'est une redstone et non ou deux redstone, je sais plus. Non, une redstone et une
Thunderpearl. Ça me produit ça et ça m'en produit deux à chaque fois. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. J'attends juste qu'en fait, hein, c'est juste ça. J'attends. Allez, à tout de suite. Bon, là nous en sommes au niveau du fer. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc ça utilise deux fois moins d'énergie pour pouvoir en fabriquer qu'une seule par contre. Là c'est un petit peu l'inconvénient, ça en fabrique qu'une. Mais aucun souci pour ça, et après ça va fabriquer des gates standard. Des chipsets que je remets dedans, qui me permettra d'avoir des gates standard. Je remettrai tout, et là je crois que c'est 40 000 aussi pour fabriquer des Untershield gates. Donc, pour l'instant, on se retrouve encore après. Bon, là actuellement, on est en train de faire un redstone chipset, qui me permettra, par la suite, de faire mes gates standard. Alors bien sûr, excusez-moi, ça demande beaucoup d'énergie, mais quand même c'est très rentable par rapport à la suite. C'est que ça, au lieu de mettre un moteur, un engine standard avec du bois, que du bois, c'est plus compact et ça permet justement d'éviter de prendre trop de place sur les côtés, au-dessus, prendre de la place en général. Ouais. Alors bien sûr, il y a plus complexe. Comme craft pour faire les gates, vous avez les Untarshid or gate, donc c'est toujours ceci. Voilà, assembling, c'est un diamond or, c'est tous ces pipes là avec les diamond chipsets, ainsi de suite. Évidemment, ça bouffe énormément d'énergie. Alors là, j'ai besoin de ceci, ceci et cela. Je vais mettre ceci pour me faire les gates, donc ça me demande encore 20 000 MJ par gate. Donc c'est assez coûteux en énergie, mais bon, c'est très rentable par la suite. Hein. Donc, je peux tout de suite les mettre parce qu'il va pas me les prendre en compte tant qu'il n'y a pas des gates. Donc vous voyez, lui il sort environ du 400 MJ par tick avec tous ces faisceaux là. C'est super beau, on se croirait dans Disco. Youhou! Ça pète de partout. Sortez les loups, allez là. Un peu perdu. Faudrait qu'il fasse un petit truc au sol pour se repérer. Voilà, et moi j'ai à peine 120 en MJ de particules parce que c'est des petits crafts. Hein. Par exemple, si je pars le soir, je mets tout ça en craft auto et hop, il tourne en boucle en ainsi de suite jusqu'à ce que c'est fini. Donc ça veut dire le lendemain, je peux en venir s'ils sont déjà faits. Là, ça prend quoi, une dizaine de minutes. Donc c'est pour ça que je vous fais des petites coupures et. Bon, on se retrouve juste après quand. Quand il continue. Alors que maintenant les gates vont se terminer, voilà, là il n'y a plus de laser, on va prendre nos gates, qu'on va foutre dedans, et ça va faire les Untarshid gates. Alors il faut que 10 000, il faut pas 40 000, il en faut que 10 000, donc c'est plutôt sympa, et vous voyez, ça en utilise un de chaque pour chaque Untarshid gate. Donc ça va, c'est pas non plus très gourmand, une fois qu'on a les items, en fait c'est très rapide. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est par exemple plusieurs salles, qui demande par exemple une salle qui fait de la redstone en gate, une autre redstone fer pour faire des chipsets iron, une autre salle avec 100 MJ à chaque fois qui produit hein. Une autre underpearl et une redstone pour faire des pulsating chipsets, une autre salle qui fait les chipsets standard de redstone en gate, et encore une autre par exemple les gates machin et autres en Untarshid gate pour la suite. Ça pourrait être fun, tout ça relié via Applied, ce qui renderait comment, ça pourrait être intéressant parce que point de vue craft auto, on pourrait avoir tellement de salles différentes que ça pourrait être fun. Ça pourrait être fun, il faudrait que je note ça sur un petit planning, justement faire ça plus tard quand pour faire tout le système en fait. L'obsidienne, ça sera pas un problème puisque j'ai le truc automatique d'obsidienne. Voilà, toutes mes Untarshid gates sont faites. Voilà, j'en ai un stack. C'est plutôt très bien. Mais effectivement, ça pourrait être fun de pouvoir faire une salle de chaque. Ah bah, il a fait tout sa rangée de panneaux solaires, lui. La vache. Moi j'ai arrêté d'en produire parce que j'ai pas envie que mon idée se pète en fait. C'est surtout pour ça. Ou sinon faudrait que j'en craft.
Donc j'en ai pas très envie dans l'immédiat de crafter. Voilà, des plates à chaque fois. Des EDSU à chaque fois. Donc ça restera comme ceci. Et les... Ah, la porte qui slack. Tiens, je vais l'aider un peu. Je vais lui demander des chires. Ok, il est pas en craft auto, donc va te faire. Je vais juste lui mettre ça. Tac, tac, tac. Pour vite péter, hein, vu les trucs qu'il y a. Bon, moi j'en ai pas besoin, sinon je l'en aurais piqué un peu, mais... J'en ai absolument pas besoin. Allô, oui, allô. Voilà, j'ai 228 poudres. J'en ai encore 559 en cours qui sont stockés et encore 500 et quelques laines de moutons déjà là. Puis vu les fleurs qu'il y a actuellement dehors, je crois que ce n'est absolument pas un souci niveau des colorants. Ça serait plus mon tour de l'aider s'il n'a plus de colorants. Mais bon, vu qu'il a tout ça en stack, lui ça me permet, comme moi en fait, de transformer de la laine blanche en glowstone. Faudrait que je fasse ça pour cette nuit, tiens, en parlant de ça, que je mette... Que je mette 3, 5, 10 stacks de laine dans l'IDSU en fait, avec un hooper et un coffre. Ça, le temps que ça se fasse le soir, je suis tranquille. Alors, nous en étions ici. Oh là. Ok, c'était avec celle-là. La commande, c'était avec ici. Non. La commande, non. C'est ici. Voilà. C'est avec une cultivate. J'ai envie d'essayer de faire une noble. J'ai envie d'essayer d'avoir une noble. Ça m'arrangerait, en fait. Alors, ici, il n'y a pas ce qu'il faut, mais c'est pas grave. On va quand même lui demander de jarter tout ce qu'il a dans son contenu. Donc il va commencer par les combes, normal. Puis peut-être par la suite, donc vous voyez, hein, ça y va, tranquillement. Voilà, ça suit le tour et ainsi de suite. Bon alors ça part des deux côtés, c'est normal, mais bon, avec la transport pipe, il n'y aura aucun souci. Voilà. Puis hop, il y en a d'autres qui re-rentrent. Voilà, comme la Meldon Princess. Ça me permet de prendre un drone de forest. La coupler avec une meadow et ça peut servir de faire une mutation dans la pierrerie. Hein, bien sûr, elles sont en train de voler de partout de leurs propres ailes. Voilà, ou sinon ça redeviendra une meadow et puis ainsi de suite. Donc là, il n'y a rien, mais bon, s'il y a une autre race qui arrive, aucun souci. Alors, c'est une cultivate ici, par contre. Donc, toc toc. J'en ai pas une autre cultivate. Si. Cultivate. Je vais essayer d'avoir des drones des nobles en fait. Donc je vais les analyser. Voilà. Hop. Ça j'ai peut-être une chance d'en avoir plusieurs. Non, j'en ai pas plusieurs. Non, en fait chacun travaille vite, ça c'est pas mal. Worker, slow, fast aussi. Niveau de vie c'est pas rien en fait. Ça pourrait être fun. Ta, travaille vite. Voilà. Ça pourrait être fun, tiens. Hop. Et les autres, j'ai mis dans le bac principal. Donc ça, je garde. C'est toujours une source d'énergie suffisante. Lui, Jart, lui, c'est bien, ça travaille. Faudrait que je voie ici s'ils veulent Ah, c'est une forest qu'ils voudraient. Ouais, c'est une forest. Et grâce à ça, je peux avoir ceci, qui peut avoir du Tinker, du Plumbum, ok. Carbone. Ça sert à quoi? Auric, diamant. Ah ok. Je préfère du diamant.
plume. Voilà, c'est du plume et du common, donc c'est de la forest. Ok, merde, si je te pète tes fleurs, ça va pas le faire. Donc, elle voudrait avoir des forests. Eh ben, on va lui fournir des forests. Hein. Hop, je vais juste les analyser. Ok, ils sont contents. Tac. Et je vais leur donner un petit coup de... Oh cool, il y en a encore. Merde. De frame, qui permettront justement de d'accroître leur leur puissance. On va dire ça comme ça. Et puis, bah ici... tiens, je vais encore les analyser. Travaille vite. Ça, j'ai remarqué. Pollinérise très vite. Ça, j'ai remarqué au niveau des combes. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, je vais quand même un peu les garder dans la main. Ça, je vais le mettre par-dessus. Comme ça, je vais lui dire qu'il vire tout dès qu'il a du stock. Pareil pour lui. Voilà. Donc, tac, 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 ça produit bien. Ici. Mystical. Alors, Mystical, est-ce qu'on pourrait la mettre... Alors, en common, j'en ai déjà pas mal. Donc, j'ai pas très envie d'en remettre une en common. En modeste, en Vintry, ça fait des commons aussi, des commons, des cultivate. Alors il faudrait que je la remette avec une common pour avoir une cultivated. Ou une cultivate. Andrich. Donc c'est une cultivate. Ok, mysterious, ok. On a dit, je ne sais plus. On a dit quoi avec ? Cultivate, voilà. Cultivate. De préférence qu'elle travaille vite. Shorted life, slow. Fast. Bon, on va mettre celle-là du coup. Voilà. Mystique. Donc, je vais mettre la gate. Hop. Fluidite expulse. Voilà, il en avait en stock encore, donc c'est pour ça. Et je vais lui redonner des frames qui vont lui permettre de travailler et d'avoir un stock plus grand. Je vais remettre des cultivates dessus. Alors c'est pas une rapide, voilà, c'est ça qui me dérange des fois, c'est hop, ça se met. Et je ne veux pas que ça se mette justement. Ah, il y en a encore deux. Oh, c'est cool. Eh, ça produit vite quand même. Hein. Alors, ici, c'est mis. Ensuite, ici. Ouais, on va te laisser avec ta femme. Voilà. J'en sais rien pourquoi ta femme. Parce que c'est que des abeilles. Bon, malgré qu'il y ait des mâles hein, dans les abeilles. Mais... lui, je vais te faire travailler tout seul. Voilà. Lui, faudrait lui mettre une reine. Lui doit travailler aussi tout seul. Ici, il n'y a aucun problème. De toute façon, ça se met en plusieurs groupes. Y a aucun souci pour ça. Ici, pour l'instant, il n'y a absolument personne. Mais absolument pas. Donc, je vais juste mettre les industrials. Avec, bien sûr, des frames par-dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça me permettra par la suite, justement, si je veux les accoupler avec quelque chose, industrial, j'en aurai ici. Et puis je vais mettre les deux gates, mais non alimentés pour vraiment dire qu'il y a déjà des drones ou des abeilles dedans, mais qu'il n'y a pas son couple supplémentaire qui me permet justement de les faire coupler. Voilà. Alors ici ça produit toujours aussi bien. Marquis, hein, non problème. Tu vois la reine elle va pile poil dedans, donc dans celle-là aussi, dans celle-là et dans celle-là. Hop, il y a celle-là qui est déjà partie. Donc ici, j'arrive pas à en avoir deux par contre. C'est un petit peu dérangeant, mais... enfin rien, je vais produire plus tard. Les water, c'est toujours au top. Ici, ça risque de piquer, mais ça va très bien. Donc je m'en éloigne aussitôt. Ici, pas de problème. Donc il n'y a pas de problème ici. Bon, c'est plutôt fun ça. Ça, je vais le virer. Ça, je vais le garder. Ça pourrait être fun. Les pommes, je vais les garder. Donc, ça fait ça. Et ça fait ça. Voilà. Et le bois, je le balance. Bon, alors, normalement, ça doit aller correctement. Ici, je vais attendre. Parce que comme ça travaille super vite, ça.
Lui fast aussi, donc c'est surtout ça. Je vais voir s'il y a le si comment suite à son travail ça va permettre ou non d'avoir des nobles. Alors comme il fait assez jour encore, on va attendre. On va attendre patiemment. Sans doute je vais faire un accéléré juste pour vous donner le truc. Mais comme ça travaille assez vite quand même, c'est des reines qui travaillent vite. Je ne pense pas qu'il y en aurait pour des heures non plus. Donc on va travailler tranquillement. De toute façon il reste quelques barres. Au pire, hein, si ça travaille trop long, accélérer et puis je vais dormir. Comme ça il retravaille aussitôt deux jours. Et comme j'ai éteint l'Untership Gate, donc comme ça, ça va pas sortir directement. Donc on va quand même revérifier, mais normalement c'est ça. Voilà, c'est une cultivate, j'ai 10% de chance. C'est-à-dire si j'en mets 10 dedans, j'ai 10% de chance d'obtenir une noble. Et grâce à une noble, après on peut faire des impériales par exemple. Des émeraudes, hein. On peut avoir des trucs en émeraude. Bon, par contre, il faudrait une résiliente et une water. Et j'ai 5% d'avoir une reine de la bise. Voilà. Rien que ça. Et résiliente, c'est une impériale et une robuste. Et une impériale, bah, c'est une noble et une majestique. Donc vous voyez, c'est un petit peu une cercle. Le cercle vicieux. Alors, j'ai eu une forest, une common, mais c'est tout en fait. Donc je vais continuer. Je vais continuer au fur et à mesure. Je vais rebalancer des common. Non, ça c'est des Valiant. Slow travaille lentement, donc je vais quand même essayer. Il va faire nuit, donc il n'y a aucun problème pour ça. J'ai pas d'autres reines. Je crois pas que j'ai d'autres reines. Si, j'en ai là-haut, mais elles travaillent pas dans ce même biome en fait. Elles travaillent dans la neige. Ah tiens, non, en parlant de neige, Vintry. On va hop décoller. Oh là, j'ai peut-être un peu trop décollé. Bonjour. Ah ouais, les Vintry, y a aucun problème ici. Hein. Oh. Ah oui. Ah oui, non, aucun problème en fait. Hop, on va descendre. Ok, non, bah en fait non, ça fonctionne très bien en fait, donc il n'y a aucun souci pour ça. Les Industrios par contre, je vais voir... Adus. Je vais tous les prendre, je vais les scanner. Ça me permettra... Merde. Ça me permettra de voir dans quelle branche elle se situe. Elle en donne deux. Slow, inactive. Rapide, ok. Fast, ok. Alors là, ça doit être long. Ah ouais. Shortened life. Très courte vie. Petite vie. Très courte vie. Très courte aussi. Putain, ils sont vraiment en très courte. Petite vie. Petite vie. Ah, ce sont amis de plusieurs. Short vie et petite vie. Ok, j'ai beaucoup de petite vie ou d'extrême vie. Mais pas beaucoup de. Ah, c'est un petit peu dommage. Bah bon. Normalement, j'ai pas trop. Est-ce que j'en ai d'autres des. Non. Là, par contre, une fois que j'ai les. Je les ai. Comment eu en scan les cocottes, bah ils se rangent tous en fait. Ils sont sur la même ligne que les autres, sont dispersés droite gauche. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle-ci, mais pour pouvoir la mettre avec quelqu'un d'autre il faudrait que j'ai une Maroon Princess. Ça se fait une Forest et une Valiant et j'ai que 5% de l'avoir en fait, donc faudrait que je la mette avec une Valiant. Valiant, j'en ai pas beaucoup en fait. Long life. Ah, c'est une forest, hein, c'est ça. Ok, l'herbe qui pousse, sympa. Donc c'est une forest. Ouais, c'est une forest. Il faudrait que j'ai Sam. Voilà, celle-là. Je la mette avec une Valiant. Et que je lui mette une frame. 3 frames supplémentaires. Qu'elle puisse
polynésériser plus vite. Voilà, comme ça je désactive au-dessus, elle est juste à côté. Elles sont de nuit, donc elles vont pas travailler, mais en même temps, j'ai peut-être une chance, je dis bien peut-être une chance d'en avoir une après. Voilà. Et puis, bah nous, ça va faire déjà plus de 30 minutes qu'on tourne ensemble, donc voilà, c'est très sympa. J'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que c'est quand même long les abeilles. Hein. Mais disons, si j'ai de la chance de les avoir avec, je pourrais aller très loin avec. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis moi, je continue à centrifuger ceci. Qui... Oh, j'en ai déjà là. Ah, oh, c'est sympa, tiens. J'ai une bouboule. Je crois que j'ai 80% de chance d'avoir une bouboule. Hein. C'est pas sûr à tous les coups en fait. Donc voilà, là j'ai eu une au nez. On y, ici aussi. D'ailleurs on parle en ligne. Ah, il faut peut-être que j'en rajoute. Hop. Voilà. Ici au nez aussi. Donc vous voyez les skills, c'est pas non plus tout le temps. Voilà, 80% de chance d'avoir une silky propolis. Et grâce à ceci, ça me permet justement d'avoir ceci. Et grâce à ceci, ça me permet d'avoir ceci. Mais ceci sert à avoir l'armure pour approcher les abeilles qui vous piquent à fond. Mais en est, tout en étant vraiment protégé. Voilà. Et mettre le propolis là-dedans, ça va aller plus vite. Donc oui. 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 Oh. Oui. Oh. Non. Non. Oui. 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 Non. D'accord, j'ai vu autre chose. Oh bah ça va, j'en ai quand même pas mal, hein. Allez, vas-y. Aspire-les tous. Voilà. Bon, qui dit pas de récipe, c'est normal, hein. Donc ça, j'attends que ça transfère ici. J'en ai 18 de plus. Intéressant, tiens. 18 de plus, ça me permet d'en avoir 2 de plus. 1 et 2 de 2. Voilà. Et ceci me permet justement d'aller dans l'armure. Hop. En installer 6. Voilà. C'est-à-dire que quand je vais aller voir les amis les bébêtes, je vais avoir moins de chances d'être piqué. Ça pourrait être pas mal. Bon. On va voir déjà si elle y est. Voilà, je vais mettre la forest, ça je vais aspirer, je vais les balancer, ici c'est pareil, ça va continuer, donc je les balance direct. Voilà, ça fait une forest queen, donc maintenant il faut voir si elle sera d'accord d'en avoir une. On verra ça, allez sur ce, merci d'avoir regardé, et on dit au revoir la grosse vache, coucou toi. Allez, bye tout le monde.